Bonjour! Hey guys, today we're gonna head and talk to somebody in southern France whose job is to take care of all the animation for different shows that this camp puts together. That's right. So what they pretty much do, what you're gonna understand as you listen to the interview in French, working on your listening comprehension skills, is what this gentleman does, taking care of the sound, of light effects, and so forth as these shows are being put together. So you're gonna be able to listen to it and work on your listening comprehension, learn some new vocabulary pertaining especially to his job. Alors, explique-moi un petit peu qu'est-ce que tu fais. Tu gères le son et la lumière, c'est ça? Ouais. Alors, dans ce parc camping, je m'occupe de. On a deux scènes. Ouais. Donc, on a une scène intérieure qu'on peut voir ici. Mmh. Et on a une scène qui est située à l'extérieur. Et moi, mon travail, ça va être d'éclairer cette scène. Donc, pour les spectacles, de pouvoir fournir un éclairage en fonction du spectacle qu'on a. De aussi faire le son. Donc, je m'occupe de tout ce qui est micro. Instruments de musique quand on en a et bande son, parce que du coup les spectacles on a une bande son à faire, donc je m'occupe de préparer tout ça. Mis à part les spectacles, je fais aussi DJ, dans le camping, donc je suis pas non plus David Guetta, mais je m'occupe de faire des night dancing le soir. D'accord. Donc pendant une heure ou deux, voire trois heures des fois, on fait une piste de danse où je m'occupe de divertir les personnes qui sont là, de leur mettre de la musique toute la nuit. Donc, voilà, quelque chose qui t'assonne, t'aimes bien ça, c'est... Moi, je fais du son, de la lumière et de la musique. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est la musique. Et ouais, c'est quelque chose qui... Moi, j'ai fait des études pour. Je vois plutôt ma droite en l'air suivie de sa main gauche. Et vous pouvez vous applaudir à plus fort, la merci à vous. Je suis allé dans une école à Lyon pour faire ça et ouais, c'est quelque chose qui me plaît. Après, je suis débutant dans le milieu, ça doit faire 3 ans que je travaille en son et en lumière. Comparé à certains, c'est pas beaucoup. Moi, j'estime que je débute parce qu'on a énormément de choses à apprendre. Mais ouais, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Je sens de travailler là-bas, dans ce domaine. Qu'est-ce qui est un peu un challenge ou qui est difficile en gérant tout ça, en spectacle? Qu'est-ce qui est un truc? Moi, ce que j'aime un peu moins, c'est la lumière. Ouais. C'est quelque chose pour lequel je suis un peu moins sensible. Et du coup, c'est là où je dois fournir un peu plus de travail parce que c'est pas quelque chose qui me plaît autant que le son ou la lumière. Autant que le son ou la musique, je veux dire. Le son, la musique, c'est naturel, je passe des heures à faire du son, de la musique. Mais ouais, la lumière, je dois un peu plus me forcer et c'est un peu moins évident pour moi. Ouais. Mais je m'en sors quand même et j'arrive quand même à prendre du plaisir, malgré tout. Et en spectacle, s'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Il faut pas qu'il y ait quelque chose qui fonctionne pas. Voilà, donc ouais, c'est l'heure où il y a tout qui doit fonctionner. Ouais. Ça m'est arrivé une fois l'année dernière. On a eu un problème pendant un spectacle l'année dernière et ça s'est mal passé. Mais sinon, mon boulot, c'est de faire en sorte que l'heure du spectacle, elle soit parfaite. J'ai le droit pendant le... Hors spectacle de faire des erreurs dans la piste de danse, de me tromper de musique ou des fois, il y a des... C'est pas grave, mais pendant le spectacle, c'est vrai que c'est l'heure où je dois être focus et très concentré. Du coup, tu te prends des notes ou juste c'est question plutôt de mémorisation et de concentration ou... Alors, pour mes lumières, j'ai des notes qui sont juste ici, qui me permettent de me rappeler vraiment toutes mes lumières et de justement pouvoir pas faire d'erreur. Mm-hmm. En son, pareil, on essaie d'avoir pour chaque spectacle une feuille de suivi qui va nous indiquer un peu toutes les étapes du spectacle, toutes les musiques différentes, les intervenants différents sur le spectacle. Du coup, en général, ouais, c'est assez cadré. Je pars pas dans le live comme ça, on a tout le temps une feuille de trame, on va dire. D'accord. C'est excellent, merci beaucoup. Ah c'était un plaisir. Je me suis mis un peu au milieu, désolé. Tu peux mettre le code, s'il te plaît. Tu me laisses un petit. What do you guys think? Hopefully you understood a lot and it worked some of your listening comprehension skills. We got some exciting and fun videos coming up. Make sure you're subscribed so that you can be notified for the next YouTube video that will be posted soon.